C'est Introstine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Rouge. Et c'est déjà l'épisode 10, comme quoi ça avance plutôt vite. Enfin plutôt vite, c'est moi qui vois en fait je pense le temps passé, on va dire ça comme ça. Alors je vous retrouve actuellement devant le Casino Rocket, je crois. C'est ça, Casino Rocket. En off, voilà, je vous dis déjà ce que j'ai fait en off. Alors en premier lieu, j'ai monté un peu, d'ailleurs il faut que je passe au centre Pokémon, Voltaïque niveau 36 qui était niveau 25 je crois. Ah, attendez. Parce que finalement j'avais pas fait voilà, le résumé. Et qui a bon des attaques plutôt convenables. Je lui ai appris onde de choc. Il a pris ben, le reste en fait, tout simplement. Enfin il avait déjà vive attaque. Double pied vraiment sympa. D'ornuée, bon. Ouf. Il peut pas y avoir que des bonnes attaques. Et j'ai un peu joué. J'ai un peu joué à comment ça s'appelle à, au casino. Et j'ai obtenu. Dernière remarque. Oui voilà. J'ai obtenu 4000 jetons. Avec une base de. Je sais plus si j'en avais acheté 500 ou 1000. Et donc voilà, je suis allé voir un petit peu les comment ça s'appelle les lots. Et en premier lot, je suis tombé sur les Pokémon. Alors je regardais. Et je dois bien avouer qu'au début, j'étais vraiment tenté par un mini Draco. D'avoir un mini Draco et de le faire évoluer voilà, en Draco et en Dracolos. Et je me suis dit que c'était vraiment pas original. Bon, après, peut-être que je peux revenir sur ma décision, mais pour l'instant, je suis un peu sceptique. Après, j'ai pensé également à un sécateur. Mais je me disais 5500 jetons, alors qu'il me semble qu'on peut l'avoir au parc Safari. Je sais pas, j'étais pas très chaud. Bon après j'ai pensé à Porygon aussi, mais bon 9000, j'y suis pas encore, hein, loin de là. Donc voilà, après il y a également, je pensais également au, comment ça s'appelle, à certaines CT, donc je sais plus, genre, notamment il y en a une, c'est Lazareglass, mais bon Lazareglass, j'ai pas de Pokémon apte à prendre cette attaque, non je crois pas. Et quoi donc? Et Tonnerre, mais et Tonnerre et Lance-Flamme, mais je sais, d'ailleurs, j'avais dit que je, enfin, je m'étais dit que je regarderais, mais... Comme ça fait longtemps que j'ai pas joué avec lui, je me souviens pas s'il a lance-flamme. Non, pas là. Ah. Et bah oui, il a lance-flamme, donc finalement ça me sera absolument pas utile. Et j'ai dit quoi, c'était quoi l'autre? Tonnerre? Oui, et Tonnerre, voilà, je me suis dit peut-être que je l'achèterais, mais. Mais quoi? Mais je sais pas si. Il va la prendre. Voltali, donc on verra bien. Alors, bon voilà, c'est une petite entrée en matière. Et aujourd'hui, on va s'attaquer naturellement. Bah, au casino, tout simplement. Alors par contre, si je me souviens bien, c'est pas mal de combats. Et je me disais, bon après, je vais le faire cette fois-ci. Enfin si j'y arrive, surtout à mon avis, il n'y aura pas de problème pour ça. Je vais faire peut-être une petite ellipse, enfin pas vraiment une ellipse, mais plus un accéléré, comme ça vous verrez les combats. Mais comme je sais qu'il y en a pas mal et qu'il faut tourner et tout, tourner, virer. Et voilà, comme ça vous verrez tous les combats en accéléré, je mettrai, si j'y arrive naturellement, une petite musique bien entraînante, bien dans le thème. Et en cas je vous retrouverai après, comme ça il n'y aura pas de problème. L'épisode sera bon, peut-être un peu plus long pour moi, mais du coup pour vous, sera plus sympa à regarder. Il y aura plus du scénario, plus de l'histoire et moins ce côté combat un peu rébarbatif qu'il y a dans Pokémon. Allez, juste avant, pour le fun... On va essayer une petite partie. Alors, je me souviens plus ce qu'il donne les R. Ok, très mauvais. Très mauvais, mais j'en ai gagné 4. Sachant que j'en ai mis 3, bon tant pis. J'ai pas de chance aujourd'hui. Non, je veux partir. Merci. Allez, on va parler à ce bonhomme. Je surveille le poster. Bouge de là. Et j'ai oublié de... Non, j'y suis allé ou pas? Je suis allé à... À... Soigner mes Pokémon. Et non. Il tiendra le choc. Y a pas de soucis pour ça. Et j'étais étonné de le voir aussi puissant. Enfin aussi puissant. Bon, quand je m'entraînais, bon c'est pas non plus des Pokémon d'une force absolument remarquable. Mais je trouve que. Il se défend bien. En plus j'aime bien Voltaï, j'aime bien sa tête. Enfin, sa tête. Oh, j'aime bien le Pokémon en lui-même quoi. Y a pas de soucis là-dessus. Voilà. Ça c'est bon. Bon vous voyez il est encore un petit peu bas level. Notre cachette va être découverte, je vais prévenir le chef.
tabarnak. Ok, je vais juste activer ça. Un passage secret. Je reviens, centre Pokémon, voilà. J'ai du mal à le sortir aujourd'hui. Alors bon, juste avant de faire l'éclipse, tant que je fasse ça, je suis désolé. Enfin, je suis désolé. Le mois dernier, on va dire, j'avais un bon rythme de Pokémon, je veux dire. Un bon rythme de vidéo où j'en sortais jusqu'à 2, voire 3. Peut-être que je sais pas si j'en ai sorti 3. Bon, par semaine. Et là, c'est vrai que depuis 2 ou 3 semaines, un peu plus de mal. Faut dire que je suis un peu plus pris par mes activités personnelles. Et du coup, ça me prend pas mal de temps. L'envie est toujours là. Donc, c'est pour ça que j'essaie de garder un minimum de régularité dans mes vidéos. Donc voilà, alors à partir d'ici quoi, je vais faire une ellipse. Ça me désolé pour le sortir. Je vais faire un accéléré, et je vous retrouve. Je sais pas si on rencontre, je me souviens plus si on rencontre notre rival ici. Si, dans lequel cas, peut-être que j'arrêterai l'ellipse. Sinon, je vous dis à tout à l'heure quand on arrivera à la fin de tout ça. Allez, à tout à l'heure. Thank you.
Nous revoilà donc devant le bureau de Giovanni. Alors, excusez-moi. Voilà, ça devrait être mieux. Oui, de Giovanni. Alors, j'espère que ça aura pas été. Que ça aura pas été trop saccadé, trop. Qu'il n'y aura pas eu de problème pour l'enregistrement. Et bon, on va s'y mettre en direct. Hein. Alors, Ok. Juste, je vais changer un peu de Pokémon parce que Voltali est finalement level 39, donc même plus haut level que Rocarnage. Je vais plutôt prendre Dracaufeu. C'est symbolique, hein, c'est vraiment. Allez. Tu me surprends. T'es dans le genre coriace. Pour financer mes plans, la Team Rocket a. Ses plans plutôt. La Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour ça, nous en capturons dans le monde entier. Et je suis le chef, moi, Giovanni. Je vais te punir pour ton insolence. Le célèbre Giovanni. C'est dommage qu'on le retrouve pas. Ok, ça commence bien. C'est dommage qu'on le retrouve pas un peu plus loin aussi, dans d'autres versions, c'est ce que je veux dire. Ah non. C'est pas grave. Et j'ai quand même une bonne avance. Enfin, une bonne avance 41. Ouais. Pas mal. Bon, ça m'évitera d'utiliser le multi-expérience. Résistant. Heureusement qu'il fait pas mal. J'espère aussi pour l'enregistrement parce que bon, je dois avouer que parfois j'ai usé un peu de la commande qui me permet d'accélérer la vidéo. Enfin la vidéo, le jeu plutôt. Parce que. Bon, parce que c'est dans certains combats c'est un peu long quand je dois tout le temps appuyer sur A. Enfin sur A. Sur Z en l'occurrence. Je ne savais pas qu'il avait un Kangourex. Ouais, finalement on n'aura pas croisé Régis, j'y réfléchissais. Non, c'est à Safrania qu'on le rencontrera. Allez, une petite flamèche et au revoir Kangourex. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là que on obtient la Master Ball. Bon. Quoi ? Damnation ! Ouh, bah toi tu payes bien, tu payes mieux que notre rival. Tu élèves tes Pokémon avec le plus grand soin. Un gosse comme toi ne peut pas comprendre mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera, et cette fois... Wouah, oh, c'est quoi ça ? Ah bah le Scalp Sif. Forcément. Et papa... On s'en fout. Pendant que j'étais en train de faire le... Accélérer. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me demandais si... Parce que du coup, ça vous fait un épisode plutôt court. Là, je vois 3 minutes. Je crois que ça durait 3 ou 4 minutes aussi. Ah, désolé, je m'embrouille dans mes chiffres. Ça c'est peut-être un épisode de 15 minutes. Je sais pas exactement. Quoi. Bon, bah, au moins, je vais aller jusqu'à... déjà, je vais me soigner. Je vais me soigner, bienvenue, ça on connaît. Et je vais me rendre simplement devant la tour de l'avant-ville. C'est ça ? Non. C'est ça. Et comme ça, je serai prêt pour le prochain épisode que j'essaierai d'ailleurs de faire. Oh là là ! Que j'essaierai de faire rapidement. Mais attends, mais j'ai de l'eau, tu veux pas de l'eau ? C'est peut-être pas lui qu'il faut donner, ma foi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Tu veux quoi, toi ? Il y a un Pokémon... Oui, mais ça, je sais, il y en a même un en bas. Enfin, en bas, je me comprends. Oui, j'essaierai d'en faire un... Dans le pire des cas, au milieu de la semaine prochaine. En plus, c'est franchement un peu bête, parce que... moi, j'adore hein, enregistrer... enfin... jouer et tout, et je sais pas, j'ai l'impression de pas prendre du temps, c'est un peu bête, hein. C'est ma faute. Alors, nous voilà arrivés, si je me souviens pas de toi,
un truc là. Ouais, voilà à l'avant-ville. Pour la petite histoire, la musique de l'avant-ville. Oh, il y en a la plupart qui doivent savoir. Dans les versions, les premières versions, surtout Pokémon Vert, la toute première version qui est sortie en Japon, je crois en 95, un truc comme ça. Ouais, c'est 95, il me semble. En même temps que Pokémon Rouge avant la réédition, enfin bref, ça aussi je m'embrouille. Et ben, genre, comment ils appellent ça? Un creepypasta. Genre une légende urbaine d'internet et tout comme ça, qui disait qu'il y avait une vague de suicides de jeunes enfants parce qu'ils avaient écouté cette musique, parce qu'il y avait des fréquences qui étaient inférieures à, ou supérieures à je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, c'était juste pour la petite anecdote et pour gagner un petit peu de temps parce que j'ai vraiment peur que la vidéo soit courte. Enfin bon, pour une fois, vu que d'habitude les vidéos sont vraiment beaucoup plus longues, et bah bon, je ferai mieux la prochaine fois. Mais je connais pas à l'avance hein, le rendu final avec l'accéléré. Mais si ça rend bien, peut-être que je serai amené à faire ça. Genre, j'ai d'autres exemples, d'autres moments plutôt en tête où il y a une série de combats plutôt longs. Donc comme ça. Comme ça, on fera comme ça. Et si c'est sympa, tant mieux pour le visionnage. Je perds un peu mes mots. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez quoi que ce soit à me dire pour faire avancer un peu le let's play, pour me dire si c'était bien, si cette idée n'est pas trop mauvaise. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un j'aime, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, merci. Ciao tout le monde.